Et bien tout, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le Grand Prix d'Europe 2006 au Nürburgring, sixième manche du championnat, si je dis pas de bêtises, cinquième manche, j'ai déjà oublié. Donc sur un circuit qui est... Alors que j'ai mis le son au minimum, c'est magnifique. Sur un circuit qui est... Attendez, je vais baisser un peu, je vais augmenter le son, parce que du coup, je sais pas ce qui s'est passé. Sur un circuit qui est assez court et surtout plutôt sinueux, donc pas beaucoup de vitesse de pointe. On va lancer la qualification directe. On va faire oui, juste voir au niveau des Nous nous réglages. retrouvons au Nürburgring pour les qualifications du samedi. Elles devraient être, comme toujours, pleines de rebondissements. Alors, passons tout de suite à la première séance. Réglage de la voiture. Normalement, tout est corrigé. Ouais, c'est bon. On va faire OK. Alors, au niveau des essais libres, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est plutôt bien passé. Mais ça va se jouer à pas grand chose et je sais pas si les IA vont tourner plus vite ou pas. En tout cas, il y a potentiellement une place pour nous en Q2. Mais ça va se jouer à ne pas faire d'erreur, simplement. Bon, on va tout donner pour tenter une Q2. Espérons qu'il fasse beau aussi, hein, que pour la course, on n'ait pas d'appli comme on a eu à Imola, qui a un peu gâché tous mes espoirs, hein, concrètement, et voilà, ce genre de truc. Bon, après, il faut dire que j'ai les pneus froids. Alors, c'est un circuit qui est super difficile, parce qu'il y a des micro-boss un peu partout, et en gros, si vous prenez la bosse un peu trop fort, enfin légèrement trop fort et un peu en biais, et eh ben vous êtes mort. Tant se le dire. Bon, j'ai envie de laisser passer la... Vas-y, passe la Toro Rosso. Surtout à un moment, vous allez voir, je vais vous montrer. Oh là 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 là. Surtout à un moment, c'est vers le dernier secteur, vous allez voir. On va essayer de prendre un petit peu la tour en température, voilà. C'est surtout ici. Il va y avoir un gros freinage, et ici une petite bosse, vous voyez, et la voiture qui va commencer à glisser. Et là, c'est vraiment le truc qui va me faire peur pour toute la course, parce que ben, on va faire plein d'erreurs. Il y a trop de monde sur le circuit. Il y a trop de monde. Je sais pas comment je vais faire. Allez, vas-y, passe, passe. Oh là là, il y a trop de monde. On va essayer de se faire prendre aspiration sur la BMW. Ouais, s'il vous plaît, en plus. Allez, c'est parti. Premier tour chrono. Et je vais essayer de me concentrer un petit peu, quand même. Bizarrement, je trouve que la voiture tourne moins bien qu'en essai libre. Je sais pas ce qui s'est passé sur le circuit, mais... Oh, vous avez vu l'équerre? Oh la vache! Et heureusement, je réussis à pas péter la voiture. Takuma Sato achève son tour complet. Il a assez bien marché. Pas mal du tout. Vous allez voir que, comme par hasard, en essai, j'arrive à enchaîner les tours. Et quand on va arriver en course ou en qualif, je vais tout rater. Je trouve qu'elle tourne pas du tout en fait. Elle a vraiment un problème pour tourner par rapport aux essais libres. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. Christian Albert se réalise un nouveau temps. Il sera furieux de ce chrono. Sa voiture n'est pas à la hauteur pour l'instant. Alors le coup de la voiture pas à la hauteur, on est d'accord. Hein. Je me suis amusé un petit peu en off après le Grand Prix de Imola à refaire la même course, mais avec la Renault. Et ben, je peux vous dire que ça n'a tellement rien à voir. On est 10 fois plus rapide. Donc des fois c'est même pas une histoire de talent, hein. C'est vraiment une histoire de performance de voiture. Bon, il y a certaines limites quand même, hein, mais... Mais vraiment, qu'est-ce que c'était plus simple?
Jenson Button boucle son tour complet. Allez, on va essayer de faire mieux. Une 32-9 pour la 16e place. Alors j'ai privilégié l'accélération sur ce circuit. Les pilotes bouclent actuellement un tour complet sans Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Felipe Massa, Kimi Raikkonen, Nick Hedfeld. C'est incroyable à quel point je me fais rameuter à chaque fois, c'est un truc de fou. Giancarlo Fisichella. Et du coup j'ai raté ma chicane parce que bah, la Red Bull m'a mis la pression. Jacques Villeneuve termine un tour complet. Elle va continuer encore un tour. 32-3. C'est pas mal, mais c'est au 31-38. Voilà, ça va être impossible. Ça va vraiment être impossible de faire mieux que ça. On va quand même tenter, hein. Quelle déception déjà de voir que l'IA a amélioré son temps de 1 seconde entre les essais et la qualification. Ça rend l'exploit encore plus dur. La voiture ne semble pas au mieux de sa forme. On avance sur notre premier secteur de 5 dixièmes. On est un peu tranquille sur la piste. Il a obtenu ici un très beau chrono. La trajectoire est à peu près bonne. On est en avance de 3 dixièmes. On a mieux pris la chicane. Allez, on donne tout. Yes! 16e temps, 30.6. Il a fait ce qu'il fallait ici. Alors j'ai plus hors d'essence, hein. Du coup il faut que je fasse revenir au garage. 30.6, on est 16ème. Weber est en 31.8. Eh, finalement j'ai fait un bon chrono, regardez les chronos. 636, 652. Alors il me reste que 5 minutes. Ouais, je pense que ça va être compliqué quand même. Je vais juste faire un réglage sur le grip. Bon ça met un bon pneu arrière, on va baisser un peu. Anti-patinage. On va mettre un peu plus anti-patinage, voilà. Et au niveau de la tenue, on va mettre hauteur de caisse, on va laisser anti-roulis, on va augmenter un peu. Faire OK. Retour. Ah, je vais faire un tour histoire de m'entraîner un peu. Ah, je suis très content de mon tour. Franchement, ça se passe bien là, c'est plutôt cool. Bon après, je peux te me faire battre dans les derniers instants, hein. Il reste 15 minutes. On a une saison très très difficile, et j'aimerais faire un petit exploit, au moins une fois dans la saison, quoi. Ça serait cool, même si c'est pas en course, tant pis, faire une Q2 avec les Midland déjà, ça serait très génial. Mais bon, ça va être difficile. Il faut chauffer les gommes, il reste 4 minutes. D'ailleurs, on a une Ferrari, du coup, elle va nous rattraper très très vite. C'est vraiment ici, regardez, comme ça glisse d'un coup. Il faut la faire rentrer en glissade et pas trop accélérer tôt, sinon on se prend une équerre. Mais à quelle vitesse elle revient, mais c'est tellement ridicule, je peux rien faire avec ça.
Eh oui! J'ai peut-être pas assez de, peut-être trop d'appui, hein, c'est pas possible. J'ai tendance à privilégier un peu la maniabilité de la voiture, mais. Peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut être à fond en vitesse et un peu en courbe, je sais pas. Après, ils ont l'aspiration aussi, hein, ça va être pas mal. Dixième de retard déjà sur mon premier secteur. Après j'avais plus d'essence, là je suis à 3. Je pense que je pourrais faire encore une tentative maximum. Enfin, je crois que je pourrais pas parce qu'il y a le temps limite. On peut pas en fait passer au-delà de 0 seconde, hein. On peut pas finir son tour. C'est-à-dire c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas le faire. Vous avez vu le... Le drift quoi, ça c'est vraiment le truc le plus difficile à faire. Je suis en avance, je suis en avance. Il devrait en être content. Ah, j'ai raté ma sortie. J'ai raté ma sortie malheureusement. Ah là, c'est dommage. J'étais en avance, j'étais en avance. De quoi être satisfait sans plus. Je t'en foutrais de quoi être satisfait sans plus là. Je mets tout ce que je peux, hein. Je peux pas. J'essaie d'aller au maximum. Tout ce que je peux dans le dernier secteur. Arrière qui a décroché. On peut sortir là, c'est un peu l'avantage, 3 dixièmes de retard, ouais ça va être bon, c'est mort je pense. Giancarlo Fisichella est là, Felipe Massa. Bon moi ça m'entraîne à... Kimi Raikkonen, Jarno Trulli, David Coulthard, ça m'entraîne à bloquer un petit peu les IA. Allez sur la ligne d'arrivée il reste 10 secondes. Ah j'aurais pas fait mieux. Il a fait ce qu'il fallait ici. Il reste quelques secondes, est-ce que je vais passer en Q2? On est 16ème, quitter la séance. Nous poursuivrons dans quelques instants par la deuxième séance qui décidera des places 11 à 16. Et on est qualifié enfin une Q2. Incroyable, ça c'est pas mal, enfin, je suis vraiment content. On aura réussi au moins une fois. Bon, à mon avis, ça va être difficile là aussi, mais... Elle va déterminer les positions. On va enchaîner un direct, quitter le garage. Donc il n'y aura que 16 voitures dans la ligne des stands. Alors par contre, de souvenir, il soupe un petit peu dans la Q2 par rapport à la Q3, à la Q1. Donc je me dis, un aileron explosé d'ailleurs pour la Red Bull. Elle a pas pété son aileron. Ah, elle a pété son aileron, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Red Bull là, en sortant des stands? Ouais, donc elle se loupe un petit peu, on l'avait vu dans les temps de la Q2 à chaque fois, il faisait temps inférieur des fois à le temps de la Q1. Donc je me dis qu'il y a peut-être une chance de faire peut-être gagner une place ou deux, on va voir. Bon évidemment, là on est en qualif, on vient pas en course, ça se trouve en course, ça va très mal se passer. Ce qui m'arrange, c'est qu'elle arrive à me rattraper sans aileron. C'est quoi ce délire, franchement? Tu vas me dire que t'as plus de grip sans aileron, mais c'est une blague. Vas-y, passe si tu veux. Vas-y, passe. C'est juste ça pour me relaisser passer derrière, mais c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Je vais enlever tous les ailerons dans le jeu. Allez, c'est parti pour un tour chronométré. Faut au moins que je fasse un temps équivalent pour bien m'en sortir. J'ai un peu raté ma... Non, ça va plus de pire. J'ai un tout petit peu de temps, mais on va dire que ça va. Ah, j'ai glissé un peu trop. Bon, c'est le premier tour, hein, j'ai un peu d'essence. Et l'autre, elle me rattrape sans aileron, mais tout va bien. Avant que ce soit un bug graphique, hein, c'est possible. Je crois que je suis un des premiers à faire un tour, donc je vais être le premier à faire un chrono. Bon, quand une droite elle me rattrape, ça paraît logique puisqu'elle a moins d'appui, mais après quand même... Moi ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux, je vais moins vite qu'une voiture sans aileron, mais c'est quoi ce délire? Ouf, on a failli partir à la faute là, mais ça s'est pas trop mal passé finalement. Au bon, niveau chrono, on est loin, hein. 32. Coulthard fait 31. Rosberg fait 30,5. Nicketfeld achève son tour complet. Elle va m'ennuyer du début jusqu'à la fin celle-là en plus. Jenson Button. Alors on peut sortir un peu large ici, effectivement. J'ai oublié de le faire, mais ça peut nous aider un peu. Que la voiture est moins bien équilibrée. Allez, on avance de 6 dixièmes dans le premier secteur, ça c'est bien. Ma 128, ça c'est mort, on passera jamais avec ça. Cool, la vidéo qui risque de durer un peu plus longtemps, surtout si on arrive à finir la course. Bon, je rentre un peu moins vite, mais je ressors mieux. Bon, je suis à 16 centièmes. Ouais, j'ai raté quand même mon deuxième chrono. Mon deuxième secteur, je l'ai raté. Ah, secours, elle m'ennuie, cette Red Bull. Pas dire autre mot. Bon, bah voilà. Revenir au garage. Felipe Massa. Ah, il me reste 3 minutes. 3 minutes 30. Fait une 30 par tour. Une 30, une 40. David Coulthard. Allez, vite, 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 vite. Sur le circuit. C'est encore faisable, hein. Je peux encore faire deux tours. Enfin, un tour et un tour plus un. Bon, vite fait, la pole est en 1.30.0. Ça, par contre, je pense que je peux laisser tomber. Mon souci, c'est que j'aurai trop d'essence dans mon deuxième tour. Donc, faut vraiment que je fasse chauffer les gommes. Vas-y, dépasse-moi. Non mais, qu'est-ce qui m'énerve? Oh là la vache. Tu les dépasses, ils te repassent juste après. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est quoi le délire? Allez, c'est pas grave. On va faire notre unique tour, unique tentative. Enfin, notre dernière tentative.
Ok, plutôt correct. Je sais pas si je serai en avance ou pas sur mon temps, je ne sais pas. Je suis en retard déjà. La mauvaise sortie, je suis un peu large. Bon, tout n'est pas perdu. Un peu plus tard à l'épingle. Ouais, non, je vais pas réussir à faire un chrono, c'est intéressant. Eh ben, c'est mort. C'est fichu. J'ai cassé ma roue en plus. On va rentrer au stand. Bon, ben, on aurait échoué en Q2, hein, écoutez. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais bon, c'est pas grave, on va faire revenir au garage. La séance est terminée. Nous partirons donc 16e, ce qui est notre meilleur résultat quand même. Nous allons passer à la troisième séance dans quelques instants. Ils ont fait une 3700. Ouais, au mieux, je serais parti 15e. Et, ou alors vraiment, vraiment, si j'ai fait un truc de fou, peut-être 14e, mais c'était pas énorme. Alors que nous abordons le stade final des qualifications. Alors, ce que je vais tenter de faire, c'est baisser un poil les ailerons. Ça sera peut-être le pur truc à faire, mais bon, c'est pas grave. Aileron avant, on va mettre 66, aileron arrière 71. On va avoir un peu plus de vitesse. Donc ça c'est bon, on va faire annuler. Je vais juste voir au niveau des pneus, on est bien en tendre. Sur le sec. Donc on va faire quitter la séance. Et du coup, en pole position, on aura Montoya qui a fait un... Bah, c'est la première pole, je crois, de Montoya cette année. Devant Schumacher, Alonso, Fisichella, La Massa, qui est un petit peu en retrait cette fois-ci. Barrichello, Trulli, Raikkonen. Ouais, Raikkonen, pareil. Sixième. Et Felbeton. Donc là, on l'a dit. Tac, Villeneuve, Coulthard, Klein, Rosberg, Schumacher, Albers. On a quand même battu une Williams. On a quand même battu la Williams de Weber, donc ça, c'est cool. Ok, bah écoutez, c'est parti. Bienvenue sur le célébrissime circuit. J'ai l'impression qu'il ne fait pas beau du tout. Ou alors c'est peut-être le... Non, c'est bon. C'est bon, il fait beau. Surtout, restez avec nous, montez le son et régalez-vous. On y va. C'est parti. Ouais, départ correct, départ correct. Schumacher prend un départ canon. Fernando Alonso également. On va au premier virage. Ils abordent le premier virage. Gaffe! Oh là 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 là, j'ai tapé avec le nez. Ça commence bien. Fernando Alonso est derrière lui. On dirait qu'il y a eu un problème au niveau de... Et Williams va tenter à l'intérieur. Ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, fais gaffe. Il a dû abandonner. Christian Albers a pris part à l'accident. Sa voiture n'a pas trop souffert de cet accident. Ouais, j'ai cassé un tout petit peu le nez. J'ai vraiment mal freiné en fait, je pensais que j'étais assez bon en distance, mais j'avais plus froid, donc peut-être que ça n'a pas aidé. Allez, on est 13e, on va voir ce qu'on peut faire avec cette 13e place. Moi, te mettre la pression maintenant. Ouais, bon, évidemment, en ligne droite, ça va être compliqué. Ah, j'aurais pu accélérer un peu plus tôt, malheureusement. Après le premier tour, Juan Pablo Montoya, Caratol en tête,
Schumacher est deuxième. En troisième, alors, est-ce qu'on peut recoller dans la partie lente certains pilotes, genre la Red Bull de Clean. Oh, et il y a une place de moins que sur la grille de départ. Barrichello est sixième. Oh là là, il y a un abandon devant. Ça nous a permis de dépasser Coulthard. Clean, pardon. Ok, on est 11e. Clean, il a dû être dégoûté là, je le dépasse comme ça. C'est totalement raté aussi. Dans la chicane. Non! Oh là 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 là, le dépassement intérieur, c'est Williams qui va en profiter du coup. Je m'y attendais pas trop par contre, dépassement intérieur. Désolé Williams, je vais aller jusqu'au bout. Massa occupe la quatrième place. Il y a des drapeaux jaunes dans la première portion. Ne double pas. Donc, on va y avoir un accident peut-être. Je vais essayer de pas donner l'aspiration. C'est bien. Allez, devant, on a Villeneuve. Voilà, pour tenir le Williams, ça va être une infamie. Montoya attaque vraiment. Voilà un tour en 1.30, juste. Schumacher ne parvient pas à suivre le rythme qu'il imprime. L'écart s'élève actuellement à 0.6. Alors, il y a une nappe d'huile. Enfin, il y a dû y avoir une nappe d'huile parce que je le vois plus si elle est là. Juan Pablo Montoya caracole en tête. Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Massa occupe la quatrième place. Vraiment donner aucune ouverture hein, sur l'IA. À la sixième place, Raikkonen. À la septième place, Button. Et voilà Trulli, huitième. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a au moins un secteur où je perds pas trop de temps. Tu te débrouilles bien, c'est le meilleur temps que tu as obtenu dans la première portion. Alors, on s'éloigne un petit peu, j'ai l'impression. En plus, on se décharge en essence. Bon, on est 11e, c'est plutôt une bonne place, hein, même si c'est hors des points. On sait jamais ce qui peut se passer devant. C'est peut-être ton meilleur temps de cette séance dans la deuxième portion. Regardez Michael Schumacher, il donne tout ce qu'il a. Il vient de tourner en 1.29.82. Il remonte lentement sur Montoya. On compte actuellement une demi-seconde d'écart. Je m'écarte de la trajectoire. J'ai complètement raté à la sortie, heureusement que j'ai pas eu une pénalité. J'ai perdu un peu de temps.
Ouais, 3 secondes 6 sur Villeneuve, on perd du temps, mais c'est. Bon, c'est quand même super difficile de pouvoir attraper la BMW là. Je rappelle qu'on est quand même avec une Midland, hein. C'est pas non plus. C'est une des pires voitures en fait avec la Super Aguri, donc. Oh papa, et le freinage! 13ème position, 13ème. Et ben voilà, j'ai tout perdu. Je savais bien que cette chicken allait m'ennuyer à un moment ou un autre, mais en fait j'ai freiné, j'aurais dû la laisser glisser. Schumacher ne parvient pas à suivre le c'est dommage. Il tourne en ce moment en 1:29-1:30. L'écart est maintenant d'une seconde. Est-ce que je peux revenir sur le groupe Weber, tout ça, on va voir quand même. On va voir si on peut revenir. Ah ouais, mais pff, une grosse erreur là. T'as gagné 2 dixièmes dans la 3ème portion. En tout cas, il y a l'air d'avoir un gouffre derrière moi. Je sais pas si c'est parce qu'ils sont pas arrêtés au stand justement. L'accélération, ça glisse. Hein. Et je la rattrape. Là, reprendre 3 places, peut-être pas exagéré, mais bon. J'ai loupé, j'ai pas osé accélérer trop fort. Il vient de tourner en 1:29:37. Ce temps est meilleur que celui de Michael Schumacher. L'écart est maintenant de 1:03. Et voici le top 8. Juan Pablo Montoya qui caracole en tête. Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Massa occupe la quatrième place. Giancarlo Fisichella est cinquième. À la sixième place, Raikkonen. À la septième place, Button. Et voilà Trulli, huitième. Avec du ville. Oh, 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 c'était juste à l'extérieur. Oh, il y a un abandon. C'est Rosberg qui a abandonné. C'est dommage pour nous, mais bon, on monte en 15ème place. Oh, la Williams. Alors, est-ce que je peux tenter l'intérieur là? Oh, ça va être chaud quoi. Ouais, si je tente. Yes, beau dépassement. Plus que 5 tours, évite les ennuis maintenant. J'ai réussi à bien prendre la chicane pour une fois. Du coup, je l'ai raté. J'ai raté la suivante par contre. Et je peux pas prendre inspiration. Allez, 6 dixièmes de retard sur speed. Allez, 5 tours. On va essayer de réussir au moins de dépasser speed. Franchement, il est trop loin, hein, 5 secondes. À moins qu'il y ait encore un abandon, mais.
Bon, ça faisait longtemps qu'une course n'était pas bien passée. Pour le moment, on est bon. On va essayer de quand même d'aller jusqu'au bout. Ce serait bien. C'est une petite victoire. En plus, 14e, ça serait, je crois, notre meilleur résultat. Il donne tout ce qu'il a. Il vient de tourner en 1:29.15. Il rattrape Juan Pablo Montoya qui le précède. Il tourne en ce moment en 1:29.1:30. L'écart est maintenant inférieur à une seconde. Alors que nous sommes aux trois quarts de ce Grand Prix, Juan Pablo Montoya caracole en tête. Schumacher est deuxième. En troisième, Alonso. Massa occupe la quatrième place. Allez, on se rapproche. Mais l'aspiration marche pas pour le moment. On a qu'à 4 dixièmes de Scott Speed. Ah, j'aurais voulu décroiser, mais j'ai mal négocié la suite. Est-ce que je peux tenter l'inter aussi? Non. Oh, si, peut-être, si. Tu remontes bien au classement, bravo. Alors, c'est un petit peu emmêlé les roues, hein, par contre. Michael Schumacher se donne un peu plus à fond, mais reste à savoir si à ce stade avancé de la course, il a la capacité de passer devant lui. Ce n'est pas le moment de se déconcentrer pour Montoya. Oh! Oh non! Encore une fois. Et j'ai à peine effleuré, hein. J'ai à peine effleuré le mur. Michael Schumacher est le plus sur cette première portion. Il a encore réduit l'écart d'un dixième de seconde. Aïe. Quel dommage. On a failli finir 13e. Ce qui aurait été un beau résultat. Hein. Bon, écoutez, même si on n'a pas fini, je suis quand même content parce qu'on a fait une performance assez honorable, vraiment. Hein. Même si ça finit pas comme j'entendais. Ralf Schumacher a fini 11e d'ailleurs, donc il a dû y avoir un abandon. Ouais, Weber. Ah, physique est là, abandonné. Aussi. Ouais, donc j'aurais même pu finir 12e. Bon, bah, niveau fiabilité, en tout cas, c'est pas encore ça. Mais au niveau rapidité, c'était pas mal. Enfin, presque la course entière. On va voir, hein. Il y aura Monaco bientôt, il y aura. On va voir un peu ce que ça peut donner. J'aime pas avoir des classements, mince. Classement constructeur, c'est Renault hein, qui est en tête du coup pour 5 petits points devant Ferrari. McLaren remonte, hein. 40 points, 3ème, Toyota 4, Honda 5, 6, Sauber, c'était une Red Bull Ferrari. Et ouais, et puis nous ce qui est dommage c'est qu'on aurait pu du coup se retrouver devant STR. Hein, si j'avais pas abandonné, parce que je crois que j'étais la dernière STR. J'étais devant la STR justement avant mon abandon. Je sais pas si Toro Rosso a marqué des points par contre, je sais pas. Prochaine course, Grand Prix d'Espagne, j'espère que ça vous a plu bien sûr. Tableau des points, je vais quand même regarder. Voilà, donc c'est Massa qui est en tête devant Alonso pour un petit point. Fisiquet, la montée qui remonte à la quatrième place. Schumacher est cinquième, Raikkonen 6. Voilà pour le classement. Et du coup, je suis en train de penser... Rosberg, Coulthard, Weber... Speed n'a pas fini mieux que 17ème, donc potentiellement, j'aurais pu être 17ème et donc on aurait été avant-dernier au championnat. Bon écoutez, c'est pas grave, on va faire retour. J'espère que ça vous a plu, on se retrouve pour la suite. Ciao tout le monde.